eyes, I'm searching for my something. Oh, that's something that I'm wondering. Where I'm going when my story ends. Does it even matter anyway? Focusing on coping with the pain. Only getting older by the day. Only getting older. Does it even matter anyway? Focusing on coping with the pain. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour tout le monde, les internautes. Nous revoici avec Newsologie, c'est notre troisième édition. Ça signifie que ça pleut à certains pour que nous serons toujours là, pour que nous survivons. Donc nous revoilà avec Newsologie. Pour ceux qui n'ont jamais entendu le contexte, Newsologie est une émission, est un concept que nous avons créé où, en termes congolais bantou, Newsologie est Nyonso, qui signifie tout. Donc la science de tout. On parle de tout et de rien, encore des sujets qui peuvent fâcher, créer des disputes, rassembler, innover et surtout, on ait de nouvelles perspectives. Parce que je pense que tout progrès, tout commence avec une idée et le plus important, comme je vous ai toujours dit, de pouvoir discuter, avoir ce genre de sujet de conversation sur la table pour pouvoir ouvrir des nouvelles perspectives qui puissent aider. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore chanceux. Nous avons quasiment Monsieur Stéphane Poulain qui est un guest aujourd'hui. Monsieur Stéphane Poulain, il est très difficile de vous définir. Déjà, un, vous êtes un propriétaire de business, ça c'est un. De deux, vous êtes un géostratège, particulièrement dans le domaine qui concerne l'Afrique. De trois, vous êtes un communicateur en chef. Vous avez une boîte qui quasiment fait de la communication. Donc, comment vous définissez vous-même? Dites-moi un peu. Alors oui, bonjour d'abord. Et puis, oui, je suis responsable d'une société en stratégie, conseil et communication. Alors, pour la petite histoire, contrairement à beaucoup, moi je viens de la politique et j'ai voulu faire de la communication. J'ai eu des hautes responsabilités politiques, tant au niveau local qu'au niveau régional ici en Belgique. J'ai été l'assistant particulier et personnel d'un ministre. Donc j'ai pu apprendre et observer les particularités de la communication politique. Ce qui m'a donné l'envie par après de développer une méthodologie en stratégie et particulièrement en politique, mais bon voilà, c'est varié et puis c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Alors je ne me définis pas comme un communicant ou comme un communicateur. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de nom spécifique pour ce que je fais. Ça va bien au-delà. Je veux dire que c'est un métier où quelque part on l'invente en le faisant. Absolument. Alors, évidemment, il y a de la rhétorique, il y a de la sémantique, mais il y a aussi du marketing, de la kinésie, de la programmation neurolinguistique, mais c'est surtout sur une base de recherche, de renseignements, d'informations. C'est très complexe, en évolution constante, et voilà. Et puis, ça me permet de toucher diverses personnalités, divers horizons, divers, je veux dire, métiers différents. C'est très, très riche et très, très intéressant. Juste par rapport à ça, si je dois reprendre sur ce que vous voulez dire, hein, la définition concrète de ce que vous faites, parce que vous savez que vous avez dit que vous touchez à différentes disciplines. Donc, vous avez parlé de neurolinguistique, vous avez parlé de différentes méthodologies et stratégies. Est-ce que vous pouvez me parler de vous avez choisi le marché africain, ça c'est sûr. Certains des pays où vous avez évolué, où vous avez vos activités, vous avez parlé des États-Unis aussi, vous avez parlé d'Europe. Vous pouvez me parler un tout petit peu avec plus de détails? Alors, je ne vous parlerai pas de mes clients, je ne vous parlerai pas non plus de ce que j'ai fait pour eux, parce que c'est aussi la base de l'éthique du métier. Mais voilà, donc effectivement, j'ai eu des contacts avec des personnes en Amérique, en Suisse, en France, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne et en Afrique. Particulièrement en Côte d'Ivoire, mais j'y suis attaché plus particulièrement parce que moi-même je suis marié à une Ivoirienne, et en RDC parce que j'ai beaucoup de contacts et beaucoup d'amis sur place et avec lesquels je travaille sur différentes stratégies de communication. Sans rentrer dans le détail, parce que c'est lié au client et à sa demande particulière. Donc chacun a cette vision de la communication. Moi, j'essaye de particulièrement les aider à réaliser une communication qui cible des publics particuliers avec les retombées attendues.
Ce qui est parfois assez délicat parce que selon les cultures, selon les régions même, il y a une influence ou en tout cas une attente d'un public qui n'est pas la même d'un quartier à l'autre, même parfois parce qu'on n'y voit pas les mêmes intérêts. Donc c'est plutôt là-dessus que je travaille avec une recherche très 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 poussée, avec des études de cas, avec ce qui s'est déjà fait dans le passé et qu'on améliore, qu'on met au goût du jour, avec vraiment une réflexion bien plus poussée, bien plus large qu'une simple communication de base. Justement, j'ai un point par rapport à ça, parce que je pense que c'est très intéressant ce que vous avez mentionné. Qu'est-ce que vous pensez qui sont les similarités entre, parlons, concentrons-nous sur l'Afrique pour commencer, hein, les similarités entre la Côte d'Ivoire et le Congo? Déjà, non seulement qu'ils ont un passé francophone, ancienne colonie francophone ou bien belge, mais quelles sont les similarités culturelles qui font que ça soit plus facile pour vous de transiter venant de vos clients en Côte d'Ivoire et ceux avec qui vous travaillez au Congo? Je pense que ce qui se passe, et comme je pourrais me définir moi-même, c'est cette volonté de développement qui est vraiment une base culturelle. On a deux populations qui sont très très jeunes. Si je dois comparer les deux pays, il y a une population qui est très très jeune, qui a envie de que son pays se développer au sein même de son pays, et qui est en recherche de tout ce qui peut être initiative ou opportunité. Il y a vraiment énormément de travail, je pense, là-dessus. D'un autre côté, je ne vais pas vous cacher que, vu mon attachement, c'est aussi familial, c'est historique, je suis un féru d'histoire, j'ai ce côté panafricain, ce qui pourra même peut-être étonner certains de nos auditeurs. On va en venir, si vous permettez. Oui. Mais j'aimerais que vous puissiez clarifier, vous n'avez pas de volonté au développement venant de... Parce que la population, la RDC par exemple, 60% de la population selon le site CIFactbook, qui a fait un census en 2019 pendant les élections, je crois, en 18, Oui. on dit que... Quasiment 60% de la population a moins de 18 ans au Congo. D'accord? Donc, il y a cette émergence que l'économie doit s'adapter à leurs besoins avec la technologie, le monde qu'il y a au village global. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez, s'il faut se référer à l'histoire maintenant, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire et le Congo? La Côte d'Ivoire, on sait que son premier producteur ils étaient premiers producteurs de cacao, et le Congo qui a toutes les ressources minérales, c'est ça le mot en français? Oui, tout à fait. Ouais, toutes les ressources qu'il faut, mais il y a toujours à pas de tortue pour pouvoir aller vers un développement concret. Maintenant, s'il faut se baser, se référer à l'histoire, qu'est-ce que vous pensez du fait que des pays qui ont été colonisés par les Anglo-Saxons ont une administration qui dépasse le culte de personnalité qui puisse les permettre d'avancer, d'avoir un développement durable, dont des pays comme le Botswana, les pays comme le Ghana, qui ont une stabilité politique avec des systèmes qui font des vraies transitions et une stabilité administrative? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire et le Congo n'ont pas ce truc, selon vous et votre expérience? Alors, c'est un peu complexe, hein, mais je dirais que c'est culturel. Et je veux dire que c'est l'héritage culturel du colonisateur au départ. Dans sa méthode de voir les choses, dans sa méthode de faire les choses, on a laissé des traces, je veux dire, un peu indélébiles et un peu malsaines qui ont continué au début des indépendances à être utilisé en pensant que c'était la panacée, et on voit bien qu'au niveau culturel, ça n'a pas fonctionné. Et au fil du temps, il y a une dégradation proprement dite par rapport non pas au peuple, mais par rapport à ses dirigeants qui sont restés, et encore à l'heure actuelle, hein, dans une forme de néocolonialisme avec un attachement proprement dit avec soit les colonisateurs du passé. Et pour parler des pays de l'Afrique de l'Ouest, on peut parler de la France et par exemple du franc CFA, ou comme de la RDC, qui a vraiment été, entre guillemets, lâchée par la Belgique, mais récupérée par les États-Unis à la période de Mobutu, par exemple. 45 Tout à fait. Oui. Donc, je pense que c'est le découlement de tout ça qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a une recherche, je vais dire, entre guillemets, de personnalité. Que le pays, que ces pays doivent développer une forme de protectionnisme ou de nationalisme, si on veut dire, oui, où il faut vraiment avancer sur une forme d'indépendance. En tant que panafricain, je reste persuadé que l'Afrique a toutes les ressources en main, qu'elles soient, je veux dire, source, par exemple pour la RDC, de son sous-sol ou de ses richesses. Mais surtout
de sa population. Absolument. Elle est riche de sa population et c'est cette population qui doit trouver, elle par elle-même, les solutions en dehors des structures politiques même, de trouver les solutions pour son développement. Et clairement, là. Si vous permettez, vous interrompre. Oui. Si tu permets que je t'interromps, ça c'est un point que j'aimerais qu'on puisse parler solution à la fin de l'émission. Oui, Donc, tout à fait. au niveau local, qui se propage au niveau communautaire et tout ce qui suit, comment est-ce qu'on peut se prendre en charge, selon votre perspective, votre expérience en Afrique et dans plein d'autres pays dans le monde. Maintenant, de manière encore, on a parlé d'une perspective historique avec l'impact de la colonisation jusqu'à aujourd'hui, avec l'attachement particulièrement pour les pays comme la Côte d'Ivoire avec le franc CFA, qui est quasiment toujours imprimé en Belgique, en France, comme on le sait, quand la politique monétaire est contrôlée toujours en France, on le sait. Et maintenant, une approche que... Pourquoi est-ce que, si vous pouvez approcher le côté anglo-saxon et l'héritage qu'ils ont eu, pourquoi ces pays sont beaucoup plus stables sur le point de vue administratif? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a un critère culturel qu'il faut énoncer, qui est le culte de personnalité bantou, dont tout le monde se trouve autour du chef et on parle de tout le chef qui décide. Mais maintenant, le côté anglo-saxon, c'est plutôt le système qui décide. Parce que dès qu'un chef tombe en Afrique ou bien au Congo, tout s'écroule. Par contre, les anglo-saxons, colonisés par les anglo-saxons, héritage anglo-saxon, ils continuent. C'est quoi? Dites-moi un peu. Je pense que c'est le système administratif proprement dit qui a évolué et continué après les indépendances. C'est vraiment ça la base. À un moment donné où on accompagne une indépendance en tant que colonisateur, on accompagne une indépendance au niveau administratif pour laisser à terme, après avoir formé totalement, je veux dire, le service public, il y a une continuité dans ce qui se fait. Et pour même comparer à l'heure actuelle les services publics anglophones et les services publics, je veux dire, francophones en Europe, on voit bien la différence de fonctionnement. C'est vraiment une installation d'un service public qui a été accompagné bien après l'indépendance et qui a gardé, je veux dire, le système de fonctionnement qui existait un peu avant l'indépendance. Il a beaucoup évolué. Et je pense qu'il a évolué également par des gens qui sont arrivés au pouvoir. Je vais quand même prendre un exemple un peu particulier au niveau francophone, c'est le Burkina Faso. Absolument. Et on peut en dire ce qu'on veut. Moi, je suis, pour moi, Thomas Sankara est une idole. Mais il a réussi aussi de son pays de remettre aussi un système de services publics qui était à la hauteur de ce qu'on peut trouver au niveau anglo-saxon. Comme j'ai Tout à fait. Et la dépendance alimentaire des importations. Tout à fait. Et donc il y a aussi Jerry Rawlings au Ghana qui sont arrivés avec une vision totalement différente que ce que les indépendances ont apporté, bien évolué dans ce qu'ils voulaient, bien réfléchi dans ce qu'ils voulaient pour leur pays, et qui ont mis en place toute une série de mesures et de réformes qui permettent aujourd'hui à ces pays de s'en sortir, même si on peut parler du Burkina Faso, mais là je vais dire que le problème est plutôt géopolitique et géostratégique au niveau de tout ce qui peut se passer avec les pays voisins, comme il peut se passer aussi en RDC à l'heure actuelle. Absolument. Donc il faut faire très attention. Si tu permets, pour mieux enrichir ta réponse qui est excellente, oui. Si tu permets, et est-ce que tu penses qu'actuellement, avec ce qui se passe, que ce soit au Tchad, au Mali, ou tous ces pays traditionnellement avec une tutelle française ou bien traditionnellement culturellement français, sont en train de prendre une autre direction en venant avec l'émergence de nouveaux blocs orientaux qui est la Chine et la Russie et la Centrafrique aussi. Est-ce que tu penses réellement, s'il faut revenir aux deux pays qu'on a sélectionnés, qui sont le Congo et la Côte d'Ivoire, est-ce que tu penses que c'est une opportunité pour ces pays de pouvoir diversifier leurs horizons en termes d'influence extérieure politique? Mais je dirais qu'il faudrait qu'ils fassent très très attention. Je ne dirais pas non à ta question, mais si c'est pour remplacer, je veux dire, du néocolonialisme par une autre forme de néocolonialisme, on reste dans le même système. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est que, donc, comme on le disait, l'Afrique a des pays qui sont relativement très riches. Et si je dois prendre le cas de la RDC, on voit bien le jeu d'influence à l'heure actuelle qu'ont la France, qu'ont les Américains à l'encontre de la Chine et de la Russie, par exemple, où on voit bien aussi qu'il y a une attention de la population. Je ne voudrais pas qu'on en arrive avec le remplacement d'un système
extérieure par un autre système extérieur, mais dont les intérêts sont les mêmes, c'est-à-dire de continuer à piller les recherches, de piller, excuse-moi, les ressources du pays convoité. Et on en est là. Avec toujours cette volonté pour les anciens pays, je veux dire, à forte influence, qu'on essaye d'écarter, de vouloir garder leurs intérêts, parce qu'ils ont énormément d'intérêts. Si je prends le cas de ce qui se passe aujourd'hui en RDC, ouais, où on voit certains pays qui osent condamner le Rwanda pour son intervention avec le M23, et d'autres qui ne le font pas. Ouais. La réponse, elle est simple, c'est que par rapport au Rwanda, le Rwanda est le premier exportateur de coltan alors qu'il n'en produit pas, il n'en a pas dans son sous-sol. Mais donc c'est le premier exportateur, c'est-à-dire que c'est le premier vendeur pour tous ces pays qui en ont besoin. Et les pays qui en ont besoin, c'est la Chine, la Russie, les États-Unis et maintenant l'Europe. Idem pour le lithium, la France est très demandeuse de lithium. Et donc il y a ce jeu d'influence qui est économique. Et donc, il joue sur cette géostratégie politique pour pouvoir avoir une influence sur l'économie dont ils ont besoin. Mais s'il faut se baser, Kangaswa, sur la géostratégie, comme tu l'as énoncé, on va un tout petit peu quitter l'Afrique, je vais dans un parallélisme qui peut paraître un tout petit peu extrême. Parce qu'il est clair que l'influence des super-pouvoirs vers les différents blocs est basée non seulement sur les connotations des trucs, sur une perspective qui est purement économique, mais il y a aussi la perspective militaire. Pourquoi je parle de perspective militaire? Si on peut prendre un exemple, un modèle de possibilité, qui est le modèle pakistanais. Après le départ des Britanniques, avec Mao, avec Gandhi, le bloc était l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan se sont séparés. Mais l'Inde, avec leur forte démographie, ils ont pu pousser économiquement et leur capacité de travailler, leur savoir-faire, parce que c'est aussi un des critères qu'il faut mettre en avant. Mais le Pakistan a compris que, malgré qu'ils étaient musulmans, qu'ils n'étaient pas très favorable par rapport à l'Occident, ils ont compris que s'ils ne vont pas la course à l'armement, ils ne pourront pas avoir leur mot à dire sur la table. C'est où je veux en venir, c'est quoi? Qu'on le veuille ou non, avec la Russie, en arrivant en Afrique, ou bien la Chine, ça constitue un contrepoids. Et ce contrepoids, est-ce que la RDC, par rapport à l'agression de tous ces différents, on a parlé du Rwanda, pour en citer un, mais il y a aussi l'Ouganda et d'autres pays qui convoitisent les richesses que la RDC peut avoir, parce que la RDC n'est pas capable de se défendre. Est-ce qu'une poursuite à l'armement peut être une solution durable par rapport à la RDC? La question est difficile. Je pense que, quoi qu'il en soit, on voit bien, même avec l'intervention de l'EAC, pour régler, en tout cas, entre guillemets, le problème de ce qui peut se passer à l'Est, n'est peut-être pas la meilleure des solutions. D'accord. Avoir une armée étrangère sur son territoire, quelle qu'elle soit, avec intérêt ou pas, elle est toujours avec intérêt. Absolument. Toujours. Et donc, le mieux, je pense, par exemple, pour reprendre l'exemple de la RDC, c'est d'avoir les moyens de former ses militaires et d'avoir une armée qui, nécessairement, est dominatrice sur son propre territoire. Et à l'heure actuelle, on voit que ce n'est pas le cas. Alors j'espère que, vu que l'augmentation des budgets et des moyens sont mis en place, il va pouvoir avoir cette domination militaire sur son propre territoire. Tu parlais de l'exemple du Pakistan, il faut savoir que le Pakistan, vu son nombre d'habitants par rapport à son voisin, qui était l'Inde, et qui a en plus détenteur de l'arme atomique, a effectivement besoin d'être en équilibre. Absolument. Eh ben, pour faire le parallèle, ouais, la RDC a besoin d'être en équilibre par rapport à ses voisins. Là, je trouve que le fait d'être rentré, mais c'est mon avis très très personnel, hein, d'être rentré dans l'EAC et d'avoir accepté que des pays voisins viennent apporter une forme de force de paix, alors qu'on sait très bien que la MONUSCO n'a rien pu faire pendant les 22 dernières années, n'est pas la meilleure solution, je pense, à mes yeux. Pourquoi ? D'abord, un, ils ont aussi des intérêts sur la RDC, ils ont aussi des envies sur la RDC, et donc ça pose un véritable problème. Moi, je me suis toujours encore, je me posais une question, c'est effectivement, on annonce clairement depuis bientôt un an que la RDC est derrière le M23, là, le Rwanda est derrière le M23, mais il n'y a pas eu de déclaration de guerre contre le Rwanda.
On en reste à une disposition vraiment très très difficile, car le M23, ce sont des acteurs de guérilla. On n'a pas affaire à une armée, je vais dire, classique. Et c'est très difficile de combattre ce genre d'acteur qui est très très mouvant, qui est très très bien armé, et qui a une mobilité où la stratégie militaire classique ne peut pas fonctionner. Et là, je pense que voilà, il y a un gros travail au niveau militaire congolais à mettre en place, à être formé et à avoir un développement sur le terrain qui est peut-être totalement différent qu'une guerre dite traditionnelle. Et juste pour construire ce, on a parlé d'armement, on a parlé de développement, on a parlé de formation, on a parlé de différents trucs. Mais juste pour construire et enrichir cette réponse, est-ce que tu ne penses pas qu'au niveau, parce que je pense qu'aussi il y a un problème de le statu quo. Pendant plus de 18 ans, le Congo était, toutes les frontières étaient ouvertes. Il y avait quasiment des alliances dont on n'était pas au courant. Ça, c'est ma perspective, moi. Des alliances dont le peuple, la population n'était pas au courant, les dirigeants étaient au courant, ou certains pays pouvaient venir se servir et partir. S'il faut se référer rien que à la forme de l'approche que le Rwanda peut avoir vis-à-vis de la RDC, et que maintenant, il y a une renégociation, s'il faut dire comme elles sont, une renégociation des termes qui doit être une situation gagnant-gagnant, c'est bien win-win, ça fait que ça crée tous ces morts et tous les dommages qui se passent dans cette zone spécifique. Mais maintenant, au niveau personnel, qu'est-ce que, avec une perspective extérieure qui est la tienne, qu'est-ce que tu penses que le peuple, je ne parle même pas des politiciens, le peuple congolais, au niveau local, au niveau la région qui est de Grand Est, qui est perturbée, et même le Katanga, avec toutes les richesses qu'ils ont, qu'est-ce que le peuple devrait avoir? Parce qu'il y a toujours cette, si votre balèze, même sur le Burkina Faso, il y a toujours cette prédisposition à trahir. On se trahit entre nous, on n'est pas unis. Qu'est-ce que tu penses en tant qu'observateur extérieur? Qu'est-ce qu'on doit faire comme travail au niveau communautaire pour pouvoir avoir cette unité et identifier l'ennemi? Je vais bien prendre mon temps pour te répondre. Je pense que d'abord, il y a une question d'éducation. Je pense que ça passe par là. Il y a vraiment une question d'éducation, d'une transmission de l'amour de sa patrie. Ça, c'est la première des choses. Après, je pense qu'il y a aussi un point de vue politique. La population est représentée par des personnes qui ont également des intérêts que parfois je suis fort étonné de leur discours. Encore ce matin, j'ai été étonné de voir un député stigmatiser particulièrement une région et ses habitants. On en est là. Le problème, c'est pas une question de trahison entre personnes, etc. Je pense que je vais pousser ma réflexion très loin, mais bien avant la scission et la création des États, donc dans les années 1900, avec la définition de frontières qui sont des lignes droites, par exemple sur une carte, alors qu'on sait très bien que par cette ligne, on a séparé des familles, des tribus, des territoires qui étaient unis dès le départ. Donc voilà. Je pense qu'il faut revenir à une idée de communauté, à une idée de relationnel quasi familial. Combien de personnes n'ont pas une famille de l'autre côté de la frontière? Combien de personnes n'ont pas des relations, soit professionnelles, soit amicales, avec d'autres personnes qui sont aujourd'hui un peu projetées comme l'ennemi de toute une nation? Et donc, il faut revenir à cette idée de fraternité entre les peuples. Elle est là, la véritable solution. C'est la fraternité entre les peuples. Je ne parle pas au niveau politique. Si tu permets, on va prendre une petite pause. Et ça, par rapport à cette pause, on va revenir sur ce sujet. D'accord? Et là, je vous propose un clip qui m'a marqué depuis mon enfance et qui a montré comment est-ce qu'on peut mettre de côté nos différends. C'est de Jimmy Clegg avec... Jimmy Clegg. 13 years ago in 1986, South Africa was in a state of emergency, and there was a very intense cultural struggle that was being waged.
And we were part of that, and this is a song that we wrote for a truly one of the greatest South Africans in history, Nelson Mandela, and we'd like to open the show tonight with a tribute to him. God bless you. Thank you. Won't you say anything? Won't you say anything? Well, voilà de retour. Merci la production pour cette chanson particulièrement. La raison pour laquelle j'ai insisté pour cette chanson, c'est pour montrer des modèles de possibilités. En rapport à la conversation dont nous venons d'avoir, la réponse de M. Stéphane Poulain, en se basant sur la culture, sur quasiment une forte impulsion venant du sommet, du top, pour pouvoir rassembler. Mandela n'était pas, Mandela n'était pas forcé de pouvoir rassembler, mais il a fait. M. Stéphane Poulain, j'ai une question pour vous. Mandela, héros ou bien zéro ? Héros. Héros, bien sûr. Bien sûr que c'est un héros, mais parmi tant d'autres. Et je pense que il y a ce que j'appellerais les héros du quotidien. D'accord. C'est surtout à eux que je pense. Hein. Je pense que Mandela, comme d'autres, ont fait beaucoup de choses. Hein. Je parlais de tout à l'heure de mes idoles africains. Thomas Sankara et Jerry Rawlings, par exemple. Mais encore à l'heure actuelle, les héros du quotidien, c'est ces gens qui arrivent avec le peu de moyens qu'ils ont, avec des situations gravissimes, à vivre, à survivre, à continuer à vouloir pour eux et pour leurs proches
ainsi que même parfois pour leur pays, à pouvoir se développer, à pouvoir vivre dans la paix et la sérénité. Moi, ce que je constate, c'est que tous ceux qui ont réussi, ils avaient qu'une seule idée en tête. C'est de se dire, les gens ont beaucoup plus à gagner à être ensemble qu'être mis les uns contre les autres. On ne peut pas fustiger les peuples, alors que ce sont les dirigeants qui finalement prennent des décisions sur base de d'intérêts qu'ils ont, qu'ils soient économiques ou autres, pour ne pas dire même parfois pour certains pour être des profiteurs, alors que la population, elle n'y gagne rien. Absolument. Et donc voilà, c'est aussi toutes ces personnes qui, je pense, qui au quotidien sont dans la communauté, dans le regard du voisin, dans l'aide, dans l'approche, dans la solidarité. Ce sont eux aussi les vrais héros du quotidien et qui font bouger les choses. Ouais. J'ai un autre point parce que je pense qu'il faudra qu'on puisse couvrir toutes les différentes perspectives. Il y a un certain train de pensée, il y a une certaine perspective sud-africaine. Avec certaines personnes comme Julius Malema et tous ceux qui suivent, parce que je suis aussi friand de la politique en Afrique, hein, pour trouver des modèles de possibilités, tout comme internationalement parlant aussi. On va revenir à la France tout à l'heure par rapport à ça même. Julius Malema, certains d'entre eux pensent que Mandela n'était pas un héros, plutôt un zéro. Pourquoi? Parce que même jusqu'en 2007 à peu près, l'Angleterre avait toujours Nelson Mandela dans sa liste de terroristes. Par rapport à certaines activités que l'ANC faisait pour pouvoir décourager ou bien pousser en dehors les bords ou bien la population de colons après que les Anglais sont partis, la population hollandaise qui s'était installée là-bas, qui sont aujourd'hui les Sud-Africains à part entière. Donc Mandela a participé à certaines actions qui étaient extrêmes, qu'on peut considérer, avec l'ANC. Allegedly, il n'y a pas de preuve, je me base sur le train de pensée, ce n'est pas ce que je partage. Le train de pensée de cette classe politique, où ils ont dit que le jour que Mandela a décidé de faire un compromis, c'est là que l'Occident l'a reconnu. Et c'est là que, je ne parle pas de 2007, quand les sortages de terroristes. Et c'est là que Frédéric Leclerc et tout ce qui suit ont décidé de l'accepter en tant que président puppet. Pourquoi puppet? Puppet, ça signifie ventriloque avec sa petite marionnette qui bouge devant. Pourquoi? Parce que l'économie est toujours tenue, est toujours privatisée. Même l'aéroport Tambo est privatisé. Tout appartient toujours au bord, ou bien, s'il faut dire, excusez-moi, aux blancs. Et les noirs commencent à s'enrichir avec des postes stratégiques. Et aussi, on peut voir la conséquence d'où est le pays avec tous les scandales qu'il y a eu avec Zuma et tout ce qui suit. Donc, il y a un train politique qui dit que Mandela, le jour qu'il a trahi, c'est là qu'on l'a élevé au rang de héros, alors que l'Angleterre le considérait comme un terroriste en 2007. Qu'est-ce que vous pensez de ce train de pensée? C'est relativement difficile de ne pas faire de compromis quand on est en politique. C'est relativement difficile de même parfois ne pas tomber dans la compromission totale. Oui, mais voilà, je pense qu'on ne peut pas faire évoluer les choses du jour au lendemain d'une façon un peu quasi brutale sans répéter ce qu'on a revécu dans son sang et dans sa chair. Donc, si on veut de le faire d'une autre façon, il faut absolument avoir à un moment donné cette forme de compromis, cette forme d'évolution par la lenteur, mais avec un résultat qui est déterminé et qui est l'objectif à atteindre. Je reprendrai un exemple. Je reviens toujours sur lui, mais je pense que c'est vraiment l'exemple qui est le mieux. Si on prend l'exemple de Thomas Sankara, avec sa position un peu marxiste, avec une position protectionniste et très nationaliste, déranger certaines personnes, on a vu ce qui lui est arrivé. Même en parlant de M. Mitterrand, le feu président Mitterrand l'avait dit. Il allait très loin dans un discours qui était très connu. Il disait de Thomas Sankara, il allait très loin et ça peut froisser d'autres personnes. Tout à fait. Et donc, Jerry Rawlings, par exemple, a été comme Thomas Sankara au départ. Et là aussi, Jerry Rawlings, il a compris à un moment donné qu'il fallait jouer avec des compromis pour pouvoir voir son pays évoluer. Et il a très très bien réussi. C'est très très compliqué. Parce que à l'heure actuelle, par rapport à la période Mandela ou même avant, le jeu de géostratégie internationale qui peut se jouer sur l'Afrique a beaucoup évolué.
beaucoup évolué et le jeu d'influence est extrême. Il ne se fait plus par bloc, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est quasi plus un bloc contre un autre. Quand on voit le nombre de pays par rapport à l'Afrique, où on voit des pays comme le Liban, Israël, l'Inde, le Pakistan, qui sont très présents, eux aussi ont compris qu'ils ont un marché à prendre à ce niveau-là. Il faut savoir que les marchés économiques habituels sont un peu bouchés et qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités par rapport à l'Afrique, qui est quand même le continent qui, à l'heure actuelle, est le plus grand, le plus puissant en termes de richesse, mais qui, hélas, ne contrôle pas l'ensemble des moyens qui sont à sa disposition pour pouvoir se développer. D'autres exemples, en Afrique du Nord, par exemple, on a bien vu la situation catastrophique dans laquelle se retrouvent aujourd'hui la Libye et d'autres pays. Alors, je ne dis pas que c'était bien mieux avant, loin de là. Je dis que toujours... La Libye, particulièrement, je ne suis pas très d'accord. C'était mieux avant. Je dis que, oui, mais Kadhafi avait ses torts et ses travers, c'était quand même un dictateur, soyons clairs. Mais il y avait une certaine... La définition de dictateur, selon une perspective occidentale, on commence à avoir des doutes avec ce qui se passe en France aujourd'hui avec le Conseil administratif, le Conseil d'État qui vient de faire passer, alors que la majorité sur tous les sondages, plus de 80% de la population française a dit non à cette réforme de retraite. Donc, nous sommes d'accord. Donc la monarchie présidentielle existe aussi en France. S'il faut se baser sur Kadhafi, dictateur, le cliché, avant de noyer tout chien, il faut le traiter de rage d'abord, l'accuser de rage. Tout à fait, mais je ne veux pas fustiger... ni l'homme, ni son parti ou ce qu'il a fait dans le pays. Car on voit bien qu'à l'époque où il était au pouvoir, il y avait une certaine stabilité, une certaine richesse partagée. Absolument. L'éducation était gratuite, l'eau était gratuite, l'électricité était gratuite. Tu te demandes $25,000 pour commencer ta vie, un logement. Voilà, c'est un pays qui avançait avec le dinar qui avançait, leur économie, le pétrole et tout ce qui suit. Et maintenant, c'est un non-État. C'est un non-État et c'est gravissime. Et il y a une perte de stabilité dans cette région parce que ça dépasse les frontières. Voilà. Et donc, il y a des moments où, effectivement, en tant que responsable politique, en tant que responsable d'un pays, on est obligé de faire des compromis, voire même être dans la compromission, c'est-à-dire qu'on prend une décision qui n'est pas bonne ni pour soi ni pour son peuple, mais qui permet... je sais pas, d'avoir une certaine stabilité ou d'avoir la paix ou de pouvoir avoir un jeu d'influence tout simplement sur des prises de décision qui pourraient être à d'autres niveaux. Si tu permets, Stéphane, on va revenir avec le même point que tu viens d'émettre, revenir sur le Congo. Qu'est-ce que tu dirais à tous les défracteurs? Parce que moi et toi, on est des passionnés d'histoire et tout ce qui suit. Il y avait Bismarck qui appelait ça la vraie politique, the real politics, d'accord? Et Nicolas Machiavel aussi. Qu'est-ce que tu dirais par rapport au même exemple que tu viens de donner par rapport à ce que les compromis qu'il faut faire qui ne plaisent pas au peuple? Ce que M. Félix Tshisekedi a essayé de faire tout au commencement, en acceptant, il a trouvé sur la table tout ce qui se passait, les conventions qu'il y avait entre le Rwanda et le Congo pendant plusieurs années. Il a accepté que le Rwanda puisse exploiter l'or congolais de l'Ituri particulièrement pendant quelques temps, mais avec leurs usines de purification et tout ce qui suit, parce qu'on va parler de la transformation aussi. Il a accepté ça au détriment de tout ce que le peuple pouvait penser. Qu'est-ce que tu dirais aux défracteurs qui disent qu'il a trahi et tout ce qui suit en se basant sur le concept de Nicolas Machiavel et de Bismarck et la vraie politique? Je pense qu'il a tenté de trouver justement ce qu'on disait tantôt, un compromis win-win, gagnant-gagnant. Il n'avait pas et il n'a toujours pas au sein de son propre pays les infrastructures nécessaires à la transformation du produit brut. Ouais. Il n'a toujours pas les filières de commercialisation de n'importe quelle ressource actuelle au sein même de son pays. Elles sont toutes soit à l'étranger, soit manipulées par des étrangers. Donc, une des solutions, les premières, c'est je produis, tu transformes. On peut être gagnant-gagnant. Il a essayé, mais comme dans toute politique, on peut avoir un espoir, on peut essayer de mettre tout en place pour qu'il se réalise, et puis on voit bien que ce n'est pas le cas.
parce que il y a toujours un plus gourmand que l'autre, parce qu'il y en a toujours un qui profite. Et en sachant que, en plus, la grosse difficulté au départ, c'est que, clairement, je m'excuse de le dire, mais en RDC, la corruption, c'est le sport national. Si même tu voudrais mettre en place un système win-win 50-50, les intermédiaires et tous ceux que tu vas faire intervenir vont vouloir prendre une part du gâteau, car ils vont voir un intérêt individuel et personnel, et non pas l'intérêt d'une nation, et encore mieux de sa population. On en est là aujourd'hui, et c'est ça qui est un problème dans la politique que je pense que le président veut mener à l'heure actuelle, et il aura encore beaucoup de mal à le faire, vu que il est obligé d'avoir énormément de négociations, d'accords, de compromis avec des gens qui hier étaient avec Joseph Kabila, aujourd'hui ils sont avec lui, demain ils seront avec quelqu'un d'autre, car ils ont une opportunité politique qui est, je veux dire, totalement démesurée, et on voit même que ceux qui crachaient encore jusqu'à hier sur une forme de politique, sur une forme de vision de l'État, aujourd'hui se rallient parce qu'ils sentent bien qu'ils auraient plus intérêt d'être du bon côté au lendemain des élections pour continuer à pouvoir, à titre personnel, profiter du système. Mais dis-moi, de manière très générale, hein, pas spécifique parce que ce n'est pas la dernière partie de l'émission, de manière très générale, comment est-ce que le Congo, la Côte d'Ivoire, peut quitter du rôle de consommateur pour devenir producteur ou transformateur? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau local, les individus? Parce que je vais faire un parallélisme pour expliquer le contexte. Pour moi, la plus grande force de la France, c'est son savoir-faire, le savoir-faire français. Au niveau génie militaire, au niveau génie civil, au niveau le savoir-faire français, au-delà de la culture qui chaperonne, cet état de lumière qui pense et tout ce qui suit. Parce que la France, l'armée, certes, les a aidés à s'imposer à travers le monde, mais leur savoir-faire, ils ne se sont pas spécialisés dans un seul truc comme les Allemands, par exemple, qui est dans l'industrie automobile. Les Français, leur savoir-faire est générique. Ils poussent toujours leur pensée un peu plus loin. Maintenant, vu qu'il n'y a pas le savoir-faire comme tel, ce n'est pas que je néglige qui que ce soit, mais je pense que le savoir-faire pour pouvoir transformer toutes les matières premières en produits finis qu'on peut exporter et commencer à faire de l'argent en vendant au prix du marché. Qu'est-ce que toi, tu penses en tant que spin doctor? Quelles seraient les infrastructures qu'il faut mettre en place? Quelles seraient les formations requises de manière très générale, hein, pour les individus, pour pouvoir créer un environnement sain pour les entrepreneurs et tout ce qui suit, avec des exemptions en taxes et tout ce qui suit, pour pouvoir pousser les gens à pouvoir créer ce développement, donc quitter le statut de consommateur à producteur? Alors, je pense que la première des choses, elle est liée, c'est des solutions croisées, hein, soyons clairs. La première des choses, elle est dans l'éducation et la formation. D'accord. Je pense qu'il faut avoir les structures au niveau de l'éducation. D'abord, il faut une réforme complète de l'éducation, proprement dite. Il faut avoir les structures pour pouvoir former les jeunes et les moins jeunes, mais surtout les jeunes, à être formés à des différents métiers. Je pense qu'il y a aussi une vision qui m'a toujours assez étonné, mais je la comprends fort bien. Quand tu vois pendant les 30 dernières années le nombre d'étudiants issus des pays africains, et en particulier la RDC, qui viennent en Europe ou même aux États-Unis pour se former, mais qui, sur base de ce qu'ils ressentent sur place au moment de leur éducation, ont plus intérêt à rester dans le pays qui les a formés que de retourner au pays pour donner leur savoir-faire. Il est là le problème. Voilà, ouais. il est aussi là le problème. Le nombre de médecins, le nombre d'ingénieurs, le nombre de différentes techniciens qui sont formés ici en Europe, par exemple, ne retournent pas au pays pour transmettre leur savoir-faire pour une première question, c'est la question financière et économique. Il n'y a pas une égalité. Oui, donc voilà, il y a ça. Donc je pense qu'il faut une vraie réforme de l'éducation, la construction d'universités, d'écoles techniques et professionnelles, avec même peut-être des professeurs issus de l'étranger, mais qui viendraient enseigner sur place. La Côte d'Ivoire, par exemple, il y a énormément d'écoles étrangères sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un modèle qu'il faudrait peut-être copier et éviter la fuite des cerveaux à l'étranger, former ces jeunes en d'abord
les formant convenablement avec les dernières technologies. Moi, je suis toujours surpris de voir les capacités de certains jeunes ingénieurs en RDC à construire des choses et ils ne sont pas soutenus au niveau de l'État ou au niveau des provinces. Et ce qui est un peu dommage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense qu'à terme, il faut encore des accords de coopération avec des entreprises qui sont tenues par des étrangers, que ce soit des entreprises privées ou même des États-nations, comme je dis, enfin, c'est-à-dire d'autres États qui supportent la transformation des produits finis, en leur disant, ben voilà, on vous laisse un contrat pour X années. Au terme des X années, nous en viendrons à nationaliser cette entreprise. Elle sera donc à charge de l'État congolais, mais avec cette possibilité de vraiment développer des usines de transformation, etc. Faut savoir que, par exemple, la France, tu l'as cité tout à l'heure, mais la Chine également, a cette possibilité de vendre des usines clés sur porte, Absolument. où elles forment les personnes qui travailleront dans cette usine, mais qui sont issues du pays qui reçoit cette usine. Cette formation, c'est un contrat d'État à État qui dure 10, 15, 20 ans, dit, voilà, on vous donne l'usine clé sur porte, elle coûte autant, on diminue le prix de un tiers, voire de moitié, on forme les gens qui vont travailler dans cette usine, et au bout d'un bail, cette usine, elle est totalement nationalisée. De manière pratique, qu'est-ce que tu penses qui sont les obstacles? C'est vrai qu'il y a beaucoup eu de pulsions, il y a beaucoup d'indicateurs qui avaient la volonté de créer toute cette forme de changement. Mais maintenant, avec les acteurs locaux et tout ce qui suit, qu'est-ce qui sont les obstacles qui empêchent les RDC et même la Côte d'Ivoire de pouvoir avoir accès à un total contrôle sur leur économie, de pouvoir exporter et de quasiment maximiser leur potentiel? Alors, d'abord, il y a la lutte contre la corruption, qui n'est pas au D'accord. niveau qu'elle n'est pas au niveau qu'elle devrait être. Je pense qu'il y a un manque profond de réforme. Un réforme sur plein de sujets, hein. Je veux dire qu'on continue à évoluer avec des règles qui datent depuis 20 ans ou même avant, où il y a un manque d'évolution. Et je vais dire qu'on en arrive dans un monde, je parle même pas d'un État africain ou de l'Afrique en général, mais on est dans un monde où on recherche énormément l'individualisme. Et je pense que l'Afrique, justement, a quelque chose qu'elle doit continuer à faire développer et à entretenir et surtout ne pas perdre, c'est ce lien de la communauté. Absolument. On va en Ce revenir. oui, je pense que ça, c'est très très important. Donc, il y a plusieurs pistes qui doivent être réfléchies et travaillées en même temps, et je pense que la première chose, c'est les réformes. Des réformes consensuelles, mais aussi conceptuelles, avec une possibilité de les réaliser sur le terrain, et qu'elles soient dupliquées à la limite. On pourrait faire des projets tests, on pourrait développer certaines choses. Moi, je ne comprends pas comme un pays comme la RDC n'a pas développer sa pisciculture et est obligé à un moment donné d'avoir recours à des secteurs de pêche et même à des bateaux de pêche On va à en venir tout à l'extérieur. l'heure. On va en venir Mais tout à l'heure par rapport à ça. Oui. je vais prendre un exemple, excusez-moi de t'interrompre, mais un exemple qui m'a frappé cette semaine, c'est que je vois qu'on peut construire un yacht en RDC, je dis bien un yacht, donc c'est un bateau de plaisance pour promener des touristes. Mais on n'est pas capable de construire des bateaux de pêche. Non, mais, non, là, je pense que c'est différent. C'était une impulsion qui était purement basée pour des intérêts privés venant de l'impulsion du régime d'avant. On peut aller, mais on ne veut pas aller dans toute forme de polémique dessus. Donc, c'était le Oui, régime mais. d'avant qui avait cette impulsion par rapport à des intérêts privés qui n'ont rien à voir avec l'État. Ça, c'est D'accord, une réalité. d'accord. On est d'accord. Mais je veux dire par là que les capacités de réalisation existent. Absolument. Les capacités d'intelligence existent et que là, il va falloir absolument avoir une optique politique que ces capacités puissent réaliser pour le pays, même si ces capacités sont privées, hein. Excuse-moi, on peut très bien aider une entreprise privée avec des moyens d'État, avec un contrôle d'État de réalisation de quelque chose dont les retombées retomberont sur toute la nation. On va en discuter juste après notre petite pause.
Et là, c'est une petite surprise venant de notre production, rien que pour toi. On revient juste après. Seigneur, mais elle est qui est bon. Senti, faut donner le lait. Ils m'ont dit popo, si copain. Dans la rue, tu vois le mousseau. Mais elle te voit dans la rue, elle t'espère. Ils m'ont dit popo, popo. Sous allez les hauts, sous allez les nous on sait. Nous on sait que ton papa est débité. Mais dis-moi, il n'y a mis elle est. Seigneur, mais elle est qui est bon. 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 Ma chérie, faut pas pleurer, les charros d'Abidjan sont comme ça. Son pétou est trop serré, j'ai rentré mon goro, ça rentre pas. C'est Boba Rabat qui est bon, Boba Rabat qui est bon. Sans la drogue, je peux plus dormir, sans mon gun, je peux pas sortir. Sans jaillir jusqu'à tant pis, tu es pas Mougou, tu as les foutaises. Nomi, c'est comme bonbon, bonjour madame Jabine. Sifu, t'es trop méchant, sœur d'un dior, c'est trop méchant. Zélo, t'es trop méchant, DJ Doom, c'est trop méchant. Ma vie, elle est qui est bon, c'est Nomi, elle est qui est bon. J'espère que ça t'a fait plaisir, Stéphane. La Côte d'Ivoire en plein, Niska, bien sûr, excellent. Merci à la de m'avoir mis cette petite interlude musicale chère à mon cœur. Tout l'honneur est pour moi. Juste une parenthèse, vu que tu as parlé de Niska, tu as parlé de rappeur français d'origine congolaise. Qu'est-ce que tu penses de la polémique derrière Maître Gims? Que dire? Il n'y a pas des choses plus intéressantes à discuter? Avec Marianne Chapa, avec tous les... Il y a plus de distractions en France en ce moment. Hein. Mais, alors, pour parler de ça, 30 secondes. Ouais. Est-ce que Maître Gims a tort ou a raison? Qu'importe. Est-ce qu'il est dans, le buzz, le game, comme on dit, qu'importe. Est-ce que il n'y a pas une autre énergie à mettre dans autre chose plutôt que de la polémique, je vais même pas dire culturelle. Je pense qu'il y a vraiment autre chose à réfléchir et à travailler et à discuter que de savoir si les Égyptiens en son temps ou pas avaient l'électricité ou pas et à faire des polémiques et même des émissions là-dessus. Ouais, on va revenir dessus, mais moi je pense que ça c'est vraiment type un peu ce qui se passe en France en ce moment. Marianne Schiappa qui passe sur Playboy, on a tous les ministres sans aucune raison pendant tout ce qui se passe avec le mouvement de grève et de contestation sociale, tout le rassemblement populaire. Il y a certains ministres qui disent qui come out, je suis homosexuel, qui vont dans les médias. Avant, il y avait Pierre Palmade, avec toute forme d'experts. Oh, moi, j'étais ancien toxicologiste. Oh, moi, j'ai fait toutes les drogues. Moi, j'ai fait ça. Donc, il y a tout plein de formes de distractions pour pouvoir maintenir, essayer de diviser les sujets. Excuse-moi de t'interrompre, je ne vais pas dire distraction. C'est une stratégie de diversion. Diversion, c'est le mot. Diversion. Tant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Absolument. Tant qu'on parle de ça, tant qu'il y a ce genre de choses, on sait bien qu'on est dans un monde où l'information passe à une vitesse phénoménale. Absolument. Les gens zappent, ça doit percuter tout de suite, ou sinon on passe à autre chose. On voit bien le phénomène TikTok, les réels, c'est vraiment quelque chose qui... Une confrontation 6 minutes maximum. Oui, mais qui est contre-productif au niveau de la communication. Reste persuadé que c'est contre-productif. On ne peut pas avoir cette intention d'éducation populaire à vouloir essayer de rendre les gens meilleurs de par eux-mêmes, de les rendre plus,
j'aime pas ce terme, mais plus intelligent. Tu vois, il y a vraiment cette dynamique d'éducation par la formation et constante qui disparaît avec ce genre de choses. On perd un temps phénoménal sur des petites choses, sur des bêtises, etc. Mais pendant ce temps-là, il se passe toute une série de choses derrière. Absolument. Dont on a même parfois conscience, mais finalement, on s'en fout, c'est comme ça, on laisse tomber. Et on passe à autre chose. Comme l'épopée de chute de banque qui se passe aux États-Unis, au Silicon Valley. On n'en parle pas. Tous les traités qui sont en train de se faire signer entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, historiquement. La guerre au Yémen est sur le point de finir avec les négociations que la Chine est en train de faire en coulisses, silencieusement. Beaucoup de choses se passent. Oui, il y a beaucoup de choses. Et... On en est à de l'information spectacle. Absolument. Tout devient de la... Pour défendre Maître Gims, je ne sais pas si tu es familier au travail de Nikola Tesla à l'époque. Disons que ça m'a intéressé, vu que, d'abord, déjà à l'époque, rien qu'une polémique sur qui a inventé quoi. Justement. Tesla, donc, voilà. Avec Thomas Ford, hein, c'est ça, hein? Non, il dit oui, tout à fait. Ouais. Mais avait déjà dit qu'il avait l'énergie universelle, il avait déjà démontré qu'il avait créé un véhicule qui avait fait plus de 600 km sans s'arrêter, sans aucune forme d'énergie. Et en se basant sur tous les écrits d'hiéroglyphes et tous ceux qui suivent venant de l'Égypte. Mais il y a aussi dans certains pays sud-américains où on a retrouvé, en tout cas, je vais dire, les restes culturel d'une technologie dont on ne sait toujours pas expliquer à l'heure actuelle à quoi elle pouvait servir. Les Mayas, les Incas, les Aztèques et toutes leurs technologies qu'ils avaient à l'époque. Ouais. Par exemple. Donc, je ne vais pas dire qu'on est dans quelque chose où Gims ou d'autres on dit des choses fausses. Je ne suis pas là. C'est comme pour dire est-ce que les extraterrestres existent. Je suis pas là pour en décider. Oui, peut-être. Peut-être. Voilà. Moi, j'attends que l'histoire et l'histoire nous apprendra, hein, car c'est toujours elle qui, à un moment donné, la vérité éclate. On apprendra peut-être que effectivement, il avait raison et on reviendra sur le dire. Ah ben, on a polémiqué dessus ou on dira bah ouais, bah bon, ce qu'il avait dit à l'époque. Personne n'y a cru, donc voilà. Et il y aura toujours des gens qui vont, quoi qu'il en dise, polémiquer, même sur des vérités de l'histoire. Absolument. Même sur des choses qui ont été prouvées avec des témoins, avec du recul. On en voit bien les révisionnistes de tout poil et de tout pays. Je ne parle pas du révisionnisme sur le nazisme ou sur la Shoah, par exemple, hein, qui est l'exemple le plus européen que je pourrais développer. Mais même quand on voit les révisionnismes en Afrique, moi, ça me fait peur. On est là vraiment dans une transformation de la vérité de l'histoire dans une recherche de transformer les mentalités et les opinions. Et je trouve ça très dangereux et c'est très très occidental. Le mouvement de gauche, l'extrême gauche et tout, néolibéral et tout. Mais on en est dans des extrêmes. Absolument. Et je pense que dans n'importe quel extrême, il y a du danger. Moi, pour caricaturer, je dirais que il faut prendre conscience que tout ce qui est dit doit être vérifié. On ne peut pas. On a à l'heure actuelle des moyens de communication qui sont phénoménales et je peux constater qu'on communique très très mal. Les gens ne recherchent plus la vérité. Alors chacun a sa propre vérité, on est d'accord. Mais on doit avoir cette envie d'être autocritique, de faire ses propres recherches, de choisir son propre camp et ne pas se laisser influencer par la vision de l'un ou de l'autre parce qu'il dit « j'ai raison ». Et que, voilà, on a vu le cas avec Trump, on voit le cas maintenant avec certains parlementaires ou représentants politiques français, et je ne parle pas de l'extrême droite, je parle en général, où même à la limite, on sent qu'ils sont dans une forme de populisme, parce que ce genre de discours interpelle les gens. On en vient à avoir des discours de dire, à l'heure actuelle, ben Macron, avec tout ce qu'il fait, la prochaine fois, je ne pourrai pas dire à mon voisin
écoute, ne vote pas extrême droite, parce que voilà, mais il faut continuer à voter contre une forme d'extrémisme qui peut être très dangereux. Germain, est-ce que tu ne penses pas que la stratégie, je suis un passionné de toute forme d'information, tu ne penses pas que la stratégie du RN, le Rassemblement National, est très très maligne en mettant en avant quelqu'un comme Jordan Bardella, jeune, intelligent, charmant, et de l'autre côté avec M. Zemmour qui a pris Marion Maréchal Le Pen, qui est là-bas, jeune, jolie, intelligente. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une stratégie de communication pour pouvoir charmer une audience assez jeune. Parce que moi, je suis charmé par Bardella, je suis charmé par Marion Maréchal. Oui, mais on est dans la politique de l'image. Absolument. Avec un fond minimaliste qui est de toute façon... tu le sais comme moi, ce n'est pas parce que tu vois un représentant politique que derrière, la machine qui est en place n'est pas d'un autre temps ou avec d'autres structures ou avec d'autres idées. On peut être président d'un parti et être son faire-valoir d'une façon très, propre, lisse, belle à la limite. Ouais. Hein, c'est une image que l'on donne d'être au plus proche du citoyen, d'être au plus proche de la jeunesse, d'être au plus proche de certaines choses. Mais ça a ses limites. Je ne vais pas prendre le cas de Jordan Bardella, je vais plutôt prendre le cas de Zemmour, où on a dit « Ah, mais il va exploser ». On a vu comment certaines chaînes de propagande, il n'y a pas d'autre terme, hein, de chaînes de propagande, a poussé Zemmour et son discours. Et alors que les élections sont terminées, on en a toujours à ce discours, c'est la faute des étrangers, c'est la faute qu'on se laisse marcher sur les pieds, tchic et tchac. Voilà. Mais on a bien vu le résultat qu'il a fait au niveau des élections. Il n'a pas réussi à convaincre au final. Il n'a pas réussi à convaincre parce qu'il l'a été, je pense, sur une image trop caricaturale. Ouais, ce que le RN, justement, est en train d'effacer. Ouais. Et si tu veux que je fasse une comparaison, il y a en RDC des personnes qui jouent sur le populisme, qui viennent avec... j'ai pas de souci. Je pense que la loi de père et de mère est une très mauvaise loi. À mon sens, elle est discriminatoire. Ouais. Elle va à l'encontre de la Constitution. Et je pense qu'elle va causer des problèmes. Elle va causer des problèmes parce que ne fût-ce que peut-être pas dans l'immédiat, mais dans les années qui viennent, des gens vont utiliser cette loi pour en imposer d'autres à d'autres personnes. On est dans une vision très populiste. Cette proposition a touché un public. Je suis même persuadé que Tiani lui-même n'a pas cru que ça allait prendre une ampleur comme telle. Non, ça a été repris. Monsieur Tiani n'est pas un député national. Ça a été repris par un monsieur qui s'appelle Singh Ipolulu, qui est député. Oui, tout à fait. Et même que ce monsieur a été. Tu m'excuseras, mais j'aime pas qu'on appelle quelqu'un d'honorable quelqu'un qui ne l'est pas. Je pense qu'à un moment. Tu dis ça. Par rapport à certains députés en RDC, on les appelle les honorables, mais bon, pour certains, il faudrait arrêter de les appeler honorables. Monsieur Pouloulou, hier, dans l'émission Bossolana Politique, ouais, a quand même dénoncé que la responsabilité de ce qui se passait au Congo était de la faute des Katangais. Ça, je n'ai pas vu. Je suis pas. Je t'invite à regarder l'émission. Si tu me parles, Stéphane, après que j'ai vu l'émission, on pourra avoir une autre conversation par rapport à ça. Si tu es disponible, bien sûr. Voilà, mais bon, la souveraineté est au peuple. C'est au peuple à choisir des élus qui la représentent réellement, qui ne sont pas là pour faire la politique du ventre, comme on l'appelle. Si tu permets que je t'interrompe, comment on passe ce stage? Parce que tu as énoncé un truc que je ne voulais pas dans cette direction, mais il faut qu'on en parle sans personnifier le débat. Comment est-ce qu'on passe ce stage? On a parlé d'éducation, on a parlé de différents facteurs. Parce que la routine typique pour les élections générales, pour la députation nationale, c'est de la bière, des t-shirts, de la musique, on danse, on boit, et après ça, ils sont élus avec des fausses promesses.
on ne tient pas à leurs mots qu'ils puissent réaliser les promesses qu'ils ont promis au peuple autochtone. Comment est-ce que, en tant qu'observateur extérieur et spin docteur, comment est-ce que le Congolais passe ce stage d'arrêter d'accepter toute personne qui s'est fait lancer ma banga, comme on dit chez les Congolais, fait chanter par un musicien, devienne député national? Comment est-ce qu'on purifie, on augmente la qualité? On a parlé de savoir-faire congolais à travers le monde. Comment on augmente la qualité de ceux qui s'assient dans cette Assemblée nationale? Mais d'abord par l'éducation proprement dite, et puis par le choix que l'on fait. Moi, je ne pense pas qu'on est un bon député ou un mauvais député selon sa richesse, selon ses diplômes, selon qu'on parle bien ou mal le français, bien ou mal le lingala ou le swali. Je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que pour être un bon élu, il faut être proche du peuple. Il faut être sur le terrain. Il faut avoir des connexions de terrain. Il faut aller à la rencontre des gens, discuter avec eux, entendre leurs besoins, et ne pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Il faut transformer, c'est ce que je te disais tantôt par rapport au président, il a amené beaucoup d'espoir, et cet espoir est parfois déçu, la population le reçoit comme tel. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas leur quotidien changer. Je pense que c'est sur le terrain, et j'en appelle à la jeunesse à prendre ses responsabilités. Occupez-vous de politique, parce que la politique s'occupe de vous. Absolument. Et chaque choix que l'on fait à un moment donné est un choix politique. Je m'exprime. Oui. Vas-y, exprime-toi. J'allais faire une interjection pour te relancer. Vas-y. Mais le fait d'acheter un produit Made in RDC est plus payant que d'acheter un produit Made in China. Plutôt que d'aller chez un vendeur libanais ou autre, ou pakistanais, allez plutôt acheter chez le producteur local. Allez plutôt vers quelqu'un qui, vous savez, où la retombée économique ira directement dans la poche du Congolais, qui fera vivre le système économique. On peut parler des modèles de possibilités tout à l'heure, mais je reviens sur un truc que tu as mentionné en disant que tu étais panafricain. En parlant de panafricanisme, en ce moment, quelqu'un qui fait des actions concrètes en tant que panafricain, on peut le considérer comme un extrémiste aussi. On a parlé de Jordan Bardella, on a parlé de Zemmour, mais on peut parler de Kémi Séba. Tout à fait. Kémi Séba, il fait des actions concrètes dans certains pays africains où il s'est lancé vers l'agriculture et tout ce qui suit pour pouvoir générer des richesses, produire, transformer et les revendre. Maintenant, cette approche peut être considérée par rapport à nos alliés traditionnels qui sont les Occidentaux comme extrême. De pouvoir faire une forme de protectionnisme, pour revenir encore à Julius Malema, qui est notre modèle de possibilité en Afrique du Sud. Le protectionnisme peut être considéré comme une approche qui est extrême. Maintenant, comment est-ce que le Congolais typique, parce que tu as parlé rien que le 1 dollar congolais qui va être dépensé chez un Congolais artisan qui circule au moins, parce que s'il faut parler de modèle de possibilité, la communauté par exemple juive, le 1 dollar juif, il tourne au moins 7 fois entre les mains d'un autre juif avant qu'il puisse sortir vers quelqu'un d'autre en taxe, même pas en dépense. Ils vont chez un dentiste juif, l'enfant juif achète un bonbon chez un vendeur de bonbons juif, et après, ils vont passer leur argent dans une banque juive, ils vont chez un docteur juif, donc tout tourne autour d'eux. Mais le Congolais, dès qu'il a un peu d'argent, il y a Mercedes qui se frotte des mains, il y a Louis Vuitton qui se frotte des mains, il y a Gucci qui se frotte des mains, en nom des présidents, Gucci, des ministres, Gucci, Mercedes, BMW, toutes ces grandes marques, Breitling, Rolex, écrivent quasiment au ministre, oh, on va vous faire un petit cadeau, le ministre va l'acheter automatiquement. Donc l'argent produit localement va dehors directement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme modèle de possibilité pour pouvoir, j'ai fait des similarités, pour pouvoir remédier à ça? Parce qu'on n'a pas de production congolaise, et le Congolais, en général nous-mêmes, on préfère aller acheter chez une autre nationalité plus facilement. Qu'est-ce que toi tu y penses en tant que spin docteur et ton expérience en Afrique? Je pense qu'il y a des vraies possibilités de produire localement déjà. De produire localement avec des moyens qui sont parfois limités, mais qui devraient avoir cette possibilité d'évolution. Que ce soit de la production alimentaire, que ce soit de la production industrielle, que ce soit de la production même d'énergie. On voit bien que il y a cette possibilité d'évolution qui existe. Et je vois quelques exemples parfois de développement. Il faudrait créer un label Made in RDC, par exemple, tu vois. Il faudrait avoir
des structures ou des infrastructures qui permettent la production, mais pas uniquement la production. Il faut aussi le système de commercialisation sur le côté. C'est bien beau de produire, mais si t'as personne pour acheter, voilà, il y aura peut-être aussi une limite. Je suis un peu sceptique à ta réponse par rapport à quoi ? Par rapport au fait qu'on a bien établi qu'on est toujours sous tutelle, on peut dire, de notre passé de colonisateur et tout ce qui suit. Oui. Par rapport à quoi que je dis ça ? J'ai parlé de monsieur, on a parlé de Thomas Sankara, quand on va revenir tout à l'heure, on a parlé de Kémi Séba, qui est considéré comme extrémiste parce qu'il fait du protectionnisme en outrance. Et Julius Malema, qui est considéré comme extrémiste, qui fait du protectionnisme en outrance aussi. Maintenant, revenons sur le modèle de Thomas Sankara, qui a pu créer le service national pour pouvoir monter les productions, les chemins de fer, les voies de communication et tout ce qui suit pour pouvoir évacuer la nourriture et réduire la banque, l'argent, les dettes qu'ils avaient à la Banque mondiale et tout ce qui suit. Ça lui a coûté sa tête. Je pense maintenant que, qu'on le veuille ou non, tout politicien qui va relancer des réformes en Côte d'Ivoire, mais au Congo, lancer des réformes, il a toujours ça en sa tête qu'il peut se mettre en position de danger par rapport aux intérêts internationaux qui régissent le fonctionnement de la RDC. Je t'interromps. Il se met de toute façon en danger, même s'il est dans le protectionnisme. Les intérêts occidentaux, ça varie parfois sur rien grand-chose. Hein. On l'a vu avec Mobutu à un moment donné, où il a dû changer d'amis, je vais dire, extérieurs pour pouvoir quand même rester au pouvoir. Non, jusqu'en 89. Après 89, son besoin était fini avec la chute du mur de Berlin et la préhistorique en Russie. On n'avait plus besoin de lui pour empêcher le communisme de se propager en Afrique centrale. Avant, il pouvait aller vers les Russes, les Américains, Russes, Américains, Français, il pouvait faire ça. Mais après, on n'avait plus besoin de lui. Conférence nationale 90, pillage 91, 93, pillage et 97, il était parti. Et donc, voilà, puis c'est la difficulté de tout homme politique en Afrique, je pense. On parlait de compromis, de compromission. Ouais. Je pense qu'on peut continuer dans le compromis, mais éviter d'aller dans la compromission. Il y a un moment donné, il faut dire non, voilà, je reprends. La RDC est considérée, même à l'extérieur de l'Afrique, comme un des pays les plus riches d'Afrique, voire du monde, par ses richesses. Oui. Qu'elle soit minérale ou qu'elle soit même végétale, hein, le poumon du monde, donc voilà, plus je vais dire le parc Virunga avec ces gorilles, etc., qui sont en voie de disparition. Et donc il y a un moment donné, un pays qui est aussi puissant et qui ne peut pas jouir de cette puissance doit prendre conscience qu'il sera toujours au pied et à la botte d'autres pays, qu'ils soient ses propres voisins ou qu'ils soient des pays extérieurs. Il faut, à mon sens, que dans les générations qui viennent, et on voit bien qu'Kémi Séba, il touche sa génération et la génération qui va le suivre, il arrive à avoir un discours qui touche les gens et qui leur font prendre conscience qu'ils ont cette possibilité de faire changer les choses. Ils ont cette... Est-ce que je t'interromps, parce qu'on arrive, on est en train de s'écouler, s'il y a tellement d'informations, ça va être formé dans tous les sens. Hein. J'espère que je n'ai pas trop embrouillé avec ça. Non, ça va. Comment est-ce que le Congolais lambda, oublions les politiciens et les honorables, oublions-les, comment est-ce qu'un Congolais lambda, qu'est-ce qu'on doit faire ? On a parlé d'éducation et tout ça, si on peut parler d'autres solutions plus pratiques. Comment on fait pour pouvoir passer au-delà de nos obstacles. Comment on fait pour pouvoir... Tu as parlé de Made in Congo, l'éducation qui suit, qu'on achète chez l'un Congolais, que l'argent produit au Congo puisse se dépenser au Congo. Ça, c'est déjà la clé pour pouvoir avoir une économie forte. On a parlé d'armement. Se mettre en position où nos voisins peuvent plus nous dicter leurs termes par rapport aux arrangements qui avaient été faits dans le passé avec les régimes précédents. Donc, comment est-ce que le Congolais lambda font pour s'organiser au niveau local pour remettre des solutions durables et prendre quasiment le dessus. On a vu la Chine, ils ont fait les réformes avec Mao, la pression venue d'au-dessus. Mais ils ont surproduit, certains sont morts de faim et sont arrivés où ils sont arrivés aujourd'hui pour la puissance économique. On a vu l'Inde, ils se sont exportés, ils sont allés dans d'autres pays, ils ont appris la technologie, ils ont avancé, ils sont revus. L'Inde est en train de connaître une grandeur économique incroyable. On a vu plein de différents modèles de possibilités, des gens qui quasiment s'autosuffisent et travaillent à l'interne, font des réformes et aillent de l'avant. Comment on peut faire, nous, les Congolais, selon vous ?
Pour toi, plutôt. Donc, comme tu l'expliques, ça a percolé, je veux dire, de l'État vers sa population. En RDC, on voit bien que c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, la population, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je vais faire une différence phénoménale entre une population rurale et une population citadine. D'accord. Je pense qu'au niveau rural, il y a déjà des structures qui sont mises en place. Comité de village, chef de tribu, ce genre de choses, ça fonctionne relativement très bien. Il y a des formes sociales qui sont installées et qui fonctionnent très bien et qui permettent à toute la communauté, la petite communauté villageoise et même un peu plus grande, d'évoluer en parfaite harmonie, en parfaite fraternité et avec, je veux dire, une égalité d'acquis qui est dispensée. Je généralise, hein, mais la différence au niveau citadin, c'est que on voit bien que parfois les prises de décision sont très quinoises par rapport à tout le pays, tu vois. C'est très dans l'idée, c'est très quinois ou c'est très 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 Lubumbashi. Ouais. Et je pense que ça pose un problème. N'empêche que dans les régions plus citadines. Moi, j'invite la jeunesse à gérer son propre quartier avec l'aide des anciens, avec l'aide des sages, c'est-à-dire l'assainissement des voies d'eau, l'assainissement, des routes, interpeller les politiques, justement les députés qui les représentent en disant « Vous n'avez pas encore réparé telle ou telle route, est-ce que vous ne pouvez pas intervenir ?» Ouais, je suis d'accord. Voilà, créer des associations d'aide aux plus anciens, d'aide au développement de leur propre quartier. Il y a des quartiers qui sont depuis des lustres sans école, sans pharmacie, sans magasin même, et où on voit des mamans obligées de faire des kilomètres, soit pour aller vendre, soit pour aller acheter des choses. Il faut sortir aussi d'une certaine forme, je m'excuse de le dire, mais pour l'avoir constaté, pour une certaine tranche de la population, d'une certaine oisiveté, à attendre que les choses leur arrivent. Et je vais paraphraser une phrase de Kennedy qui disait « Ne pensez pas qu'est-ce que le pays peut vous apporter, mais pensez plutôt ce que vous pouvez apporter à votre pays. » Elle est là, la réflexion. Elle est là. Que les jeunes qui ont des intérêts, même si c'est au niveau culturel, je vais reprendre un exemple que tu connais peut-être. Moi, j'ai eu l'occasion de découvrir un groupe électro-congolais qui s'appelle Cococo. Non, je connais pas. Et donc, voilà, ben, ce sont des jeunes qui ont décidé de se mettre entre eux, des jeunes du même quartier, de se mettre entre eux, avec, entre parenthèses, un Congolais, mais d'origine belge, qui est leur régisseur sonore et il est aussi sur leur synthétiseur, à construire leurs propres instruments. Ce groupe fait une tournée mondiale et au pays, il n'est même pas connu et reconnu, mais ils font des tournées mondiales. Donc, moi, je les ai vus il y a quelques années ici en Belgique. J'étais subjugué par la qualité de leur travail, alors que les instruments, c'est du bricolage, quoi. Donc, il y a la jeunesse doit avoir cette envie de réussir, de pousser très très loin. Il n'y a rien qui est absurde. Il n'y a rien qui va dans le mauvais sens, que ce soit dans n'importe quel domaine. Moi, j'ai vu des jeunes développer des voitures électriques au pays. Pourquoi il n'y a pas, au niveau structurel, des écoles techniques qui pourraient les accueillir, les aider, qu'ils transmettent leur propre savoir, des réflexions? Il n'y a pas encore si longtemps, je ne sais plus c'est quel pays, qui a réussi à envoyer un mini-satellite. Alors, effectivement, c'était grâce à la France, mais ils ont monté leur propre satellite de communication. Justement, si tu permets que je t'interromps dessus, c'est justement par rapport à ça que j'ai pensé créer ce concept de gnosologie, c'est gnoso. C'est quasiment la science de tout. Au Congo, gnosologienne a une connotation négative. Moi, j'ai voulu reprendre ce terme et le tourner en quelque chose de positif. Ça signifie quoi? Quand on dit aura gnosologue, ça signifie tu connais tout, tu maîtrises tout, tu as ton opinion sur tout. Maintenant, moi, j'aimerais mettre en avant des personnages comme toi, comme Francisca Condé, comme Orphée Loutoula, qui sont mes trois premiers invités, on aura plein d'autres après,
que vous parlez, vous donnez vos différentes perspectives pour commencer ces conversations qui peuvent être difficiles, pour pousser les gens d'aller de l'avant. Et j'apprécie énormément ton temps. J'apprécie énormément toutes les informations que tu as données. Il y en avait beaucoup, je suis dans tous les sens. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dirais pour ton mot de la fin, si tu dois t'adresser à notre audience, qui peut être le Congolais lambda, qui peut être le Congolais intellectuel diaspora, qui peut être l'Africain qui écoute, qui peut être l'Occidental qui écoute, qu'est-ce que tu donnerais comme perspective par rapport à ton expertise à toi? Je pense que l'Afrique et ses habitants, et je vais même aller plus loin, je vais dire jusqu'à ses représentants, a toutes les possibilités pour être la meilleure représentation de notre monde, et pas du monde actuel, mais du monde que on pourrait souhaiter pour tous. Il n'y a pas d'autres relations familiales, par exemple, ou communautaires, du même type en Europe, aux États-Unis, même dans les pays nord-asiatiques. Ce que moi j'ai découvert par mes relations avec l'Afrique, c'est vraiment cette mentalité de famille, communauté. Et on sait très bien que tout seul, on peut aller très vite. Ensemble, on peut aller très très loin. Je pense aussi qu'il ne faut pas regarder dans le rétroviseur de l'histoire, dans le passé. Ça doit avoir son importance pour construire l'avenir. Mais tout n'est pas bon à prendre dans l'histoire et tout n'est pas bon à répéter par rapport à l'histoire. Mais connaître aussi l'histoire, c'est permettre de ne pas refaire les mêmes erreurs, de ne pas refaire les mêmes choix. Donc voilà, je pense que l'Afrique a son avenir devant elle, réellement là, à l'heure actuelle. Elle peut avoir les mains libres pour avoir son avenir devant elle, mais elle l'aura dans son dos à chaque fois qu'elle va se retourner, c'est-à-dire à regarder vers son passé, à regarder vers ses anciens colonisateurs. Ouais. Il faut avancer, il faut surtout marquer le pas en disant « Nous voulons bien une aide extérieure, mais nous voulons rester maîtres chez nous. Nous voulons bien transmettre notre savoir, notre savoir-être, notre savoir-faire, mais on veut rester maître de soi. » Je pense que l'avenir de l'Afrique et de ses représentants, habitants, on peut les nommer, et même dans les diasporas, il faut vraiment avoir cette mentalité de dire « Nous sommes issus, on est tous frères, on est tous issus du même continent. Poussons plus loin notre réflexion, poussons plus loin notre individualisme. Ne nous arrêtons pas à ce que nos dirigeants peuvent nous dire ou faire. Il faut vraiment avoir cette mentalité de vouloir avoir ce développement nécessaire. Il y a des pays africains qui s'en sortent très bien, il y en a d'autres qui s'en sortent moins bien. Allons copier chez le voisin, allons demander au voisin de nous aider ce qui est possible. Les possibilités qui fonctionnent. Voilà. Et je parlais de nationalisme, le terme est peut-être pas des meilleurs, mais avoir cette mentalité d'avoir de se dire que mon pays ne s'arrête pas à ses frontières. Mon pays s'arrête là où j'ai envie qu'il s'arrête. Il faut avoir cette envie de créer des opportunités avec ses voisins, dans la paix, dans le partage, mais avec cette vraie mentalité. Et ce ne sont pas les dirigeants à l'heure actuelle qui l'ont. Car les dirigeants, de toute façon, n'iront pas sur le front pour aller se battre contre peut-être leurs propres frères, mais ils vous enverront des gens de la base, le peuple de base, sur le devant, parce qu'eux n'ont pas trop intérêt à avoir du sang. Sur ces très belles paroles, Monsieur Stéphane Poulain, je te remercie infiniment d'avoir emmené notre perspective, parce qu'entre nous, on a ce genre de conversation constamment, entre nous, Congolais, diaspora, Africains, Nigériens, Ghanéens, mais il est très important d'avoir notre perspective de quelqu'un qui se considère comme afrocentriste ou bien pan-africain, donner la même perspective que nous pour quasiment avoir un autre son de cloche, et une autre perspective qui puisse pousser les gens d'aller de l'avant, quoi. Je te remercie infiniment. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était un vrai plaisir. Et j'espère qu'on aura une autre opportunité de parler de plein d'autres sujets que tu souhaites choisir. Avec plaisir, sans aucun problème. Quand je suis disponible, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Excellent week-end à toi. Merci, merci, merci. Ouais, merci. Encore une fois, c'est la troisième édition de Gnosologie. Gnosologie, c'est même le but. Première émission, c'était un chroniqueur de musique, journaliste fantastique,
Francis Cacone, avec toute son expérience et tout ce qui suit. Deuxième émission, un musicien, directeur artistique, photographe. Et là, maintenant, nous avons un politicien, stratégiste, spin doctor. Donc, c'est ça, Niosoji. On parle de tout et de rien, on laisse aucun sujet. Ça peut rassembler, ça peut fâcher. Le plus important, c'est d'ouvrir différentes perspectives. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi jusque-là. Elle était quand même assez longue, celle-là aussi. Donc, en tout cas, paix et prospérité à vous. Au revoir. Hawe, hechiko, danosisero.